5 minutes later. Nice. Thank you. Cool. Nous attendons actuellement à la station totale sur le péage. J'espère que je ne suis pas en retard. Bien arrivé. Salam alaikum. Salam. Ça va, ça va, mon vieux. On va y aller. Ça va, cool. Nice. Comment? Je vais faire ça. Ça va? 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 Ya fini eh deug xawon na fa ngeen baamo jiru la fi rek ya mo djegis na wo ge may tarre la ha 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 Amso. Alors. Nice. Nice jam. Thank you. Mr. Papi. Papi Pro. Papi, are you vlogging? Yeah. Jacques. Hey, Yamon. Bon, on va aller jam. Hello. OG. Alors. Thank you. Nice, thank you. Thank you. Thank you. Nice. Top.
Guys, silence. Guys, ma ñu ñëp. Merci d'être venu à tout le monde hein. Et vraiment, légui tay c'est simple, on va à Banja hein. Donc briefing bi 3 points rek la ci bëgg souligner. Benn bi moy formation bi comment on va rouler. Benen bi moy itinéraire bi. Je pense moment bobu Nabaye Abdoulaye mu expliquer len itinéraire bi. Troisième bi moy sécurité bi. Donc aspect formation, comment on va rouler? Étant donné qu'on est nombreux, on aura devant le lieutenant Silla. Ouais. Je ne sais pas s'il est là. Nous. Il est là. Ouais. Il est voilà. Là-bas. Ouais. Silla, il va flécher pour nous. Voilà, il est là. Avec Bira. Donc Silla, moi, fléché. Chikanam, on aura deux autres qui vont flécher avec lui. Derrière, ce sera Bira et Abdoulaye. Donc on va former deux files aujourd'hui, étant donné qu'on est nombreux. On aura deux modérateurs, moi-même et Bachir. Et on aura deux ramasseurs à l'arrière, Balle et Djoussé. Ok. Donc s'il y a un problème, si quelqu'un a un problème, il lève la main. Les deux modérateurs vont le voir et on intervient. Ok. Donc au niveau itinéraire, Abdoulaye, je pense qu'on va passer par Thiès. Et après Thiès, on va sur Banja. On va faire juste un arrêt au niveau de DK de Thiès. C'est bien ça. Les DK de Thiès, c'est Nitao. Ensuite, on va sur Banja, on passe la journée, on revient. On essaie de partir assez tôt, 18h. Okay. On lève le camp, on quitte pour nous ignorer avant Mouigoudi. Aspect sécurité, très important, les gars. Équipement, vérifiez l'ENCO, qu'on n'ait pas de problème. On roule en quinconce. On roule organisé, on roule discipliné. On va essayer de maintenir la. Je pense au niveau vitesse, on n'aura pas de problème vu que si l'arme est fléchée. Mmh. Donc, on va respecter la vitesse de croisière, la limitation de vitesse. Et l'espacement entre les motos. Très important. Mais si quelqu'un a un problème, encore une fois, il suffit de lever la main, les deux modérateurs, nous on est là, à tout le moment possible, on intervient et on avance. Je pense que c'est l'essentiel. S'il y a des questions... Il ne faut pas doubler la flèche. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Personne ne va lui doubler. Donner même la conscience. Personne ne doit doubler la flèche. Impossible. Personne ne va doubler la flèche. Il faut contrôler un peu l'adrénaline, quoi. Parce que tout le monde ici, on est tous responsables. Donc les gars, le maximum de discipline et on est go. Hein. Ok, guys. Ça va toi? Carissa, c'est le gaga. Bon les gars, donc c'était ça le briefing. On va rouler vers Banja avec toute l'équipe. On est vraiment nombreux. Il y a toute l'équipe derrière. Ouais. Ça va être le feu. Allez, tu peux m'appeler dans ma sacoche. Je passe les salles à mon ça c'est comment la bande, mon défense, je sais comment comme on attaque. Ok, j'arrive pas en coup, on la porte que tu piffes, ton Kaboul le prénom d'abord. Les gars, ma pas de concurrence, des stupides, ils vont se lever comme s'ils ont rencontré Jody. Chaud, sortir pour faire rentrer, tu me fais ridicule. Je passe sans raison, tu veux comprendre, moi je pense que c'est sans raison. Je comprends pas vos rappeurs, ils sont des Ok, j'arrive pas en fond dans la porte que tu vives, ton Kaboul le pognon d'abord. Des gamins, y'a pas de concurrence, c'est stupide, ils font flipper comme s'ils ont rencontré Jockey. T'as vu? Sans se pour faire rentrer du bif, c'est ridicule comme si t'étais tombé. Tu dis pas ça, la mobile, genre c'est comment là-bas, même au défense, ça se comporte comme en attaque. Ok, j'arrive pas en fond dans la porte que tu vives, ton Kaboul le pognon d'abord. Des gamins, y'a pas de concurrence, c'est stupide, ils font flipper comme s'ils ont rencontré Jockey. T'as vu? Sans se pour faire rentrer du bif, c'est ridicule comme si t'étais tombé. Tu vois, c'est sûr pas. Damn it.
Dañu bari toy. No. Tranquilo. School. Ça va de là. Il y a de beaux paysages par ici, à l'entrée de Sidia. Normalement c'est tout droit jusqu'au circuit, le circuit Dakar Baobab de Sidia. Je vous le montre dans les images. On laisse passer. Mabo. Nice. Ça comme un. Là c'est l'entrée de Bandia, mais c'est pas quelle route on va prendre. Ok. Allez, allez. Oh.
avance. Point d'équilibre. Let's go. Go. Poussière nak ba nga xom un peu de fraud. À 350 mètres. Here. Ouais, bon. Il est bon. Oh non. Alors, tu n'as pas envie? Oui, c'est bien. Cool. Ouf. Trop. Le sponsor, la meilleure des huiles, Ipon, de chez Aboudi Fata. Bon, je vais vous montrer un truc très spécial. Très, très, très spécial. Chez Paco Wan Dimiteri. Feu de bois. Ah, bon, mais Dieu c'est luxury. Machallah. Yaya, fais-le. Yaya, grand. 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 Yaya, grand.